Le roi Charles III qui est depuis quelques minutes au cœur de la basilique de Saint-Denis. Geoffrey Branger, vous êtes sur place pour Europe 1, racontez-nous. Eh bien, Charles III et Camilla ont commencé par visiter le village rugby installé ici pendant le mondial et échanger avec des jeunes de la ville autour du sport. La reine et Brigitte Macron ont même fait quelques échanges de tennis de table. Pritika Pavad, jeune espoir française, a également pu jouer avec la reine. C'était une expérience unique, je pense, de pouvoir taper la balle avec la reine du Royaume-Uni. Ils sont très prestigieux comme coupe, donc j'ai trouvé ça top qu'ils aient passé un moment ici avec même les enfants. C'était un super moment pour nous tous. Ensuite, le monarque britannique a rencontré des habitants en insertion professionnelle suivis par la mission locale de Saint-Denis. En parallèle, la reine Camilla a rendu visite aux équipes de la Maison des Femmes, une structure de soins qui s'occupe des victimes de viols ou d'agressions sexuelles. Après ça, il y a une séquence avec des footballeurs, Didier Drogba, Presnel Kimpembe ou encore le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, qui leur ont offert un maillot du club à son nom. Enfin, le couple royal vient de rentrer, comme vous le disiez, il y a tout juste quelques minutes à l'intérieur de la basilique de Saint-Denis qui abrite les tombes de nombreux souverains français. Ils sont donc en ce moment même en train de se recueillir. Cette visite du roi d'Angleterre aura duré un peu moins d'une heure. Merci Geoffrey Branger en direct de Saint-Denis pour Europe 1 et d'autres détails évidemment ce soir à 19h dans le journal d'Hélène Zélani.